Bon, là, les chiffres sont mauvais. D'accord, les chiffres sont juste mauvais. On a clairement un déficit de clientèle. Alors, va pas me dire que c'est les températures négatives. Ça sera normal, mais là, c'est pas ça. C'est clairement vous. Je sais pas ce qui se passe, Inès. Je sais pas si vous servez trop dans les produits en douche. Je sais pas si vous avez carrément rien à foutre de bien faire le boulot, mais là, c'est juste déficit complet, total. Donc, là, faut prendre des décisions. La carte va augmenter. Juste, la carte va augmenter. Donc, le Mojito sera 6 en API, 9 au rapi. Le Spritz, pareil, 7 en API, 10 au rapi. Enfin, toute la carte augmente d'1 euro. Et puis on va arrêter de se fournir en alcool que personne n'achète. Donc les bouteilles de Sacré de Cardamome, l'Italicus, Sancho Reyes, c'est fini. Je veux plus entendre parler. Non, y a pas de débat, c'est fini. D'accord? On arrête. Et puis on va juste garder quelques alcools de luxe, donc Nika, Kraken, Santa Teresa, le Jack et puis basta. Des alcools de luxe? Le Jack, un alcool de luxe? Sérieusement? Madame, c'est en bas les toilettes. Tim te l'a déjà dit, si tu lui fous du Jack parmi les grands alcools, il va péter un câble. Mais je m'en fous, là c'est pas le débat. Si Tim il a un problème, il en parlera, c'est tout. Greg, quand t'as voulu monter ton affaire, moi j'étais pas chaude du tout. Et toi et moi, on sait pourquoi, c'est parce que t'es pas un bon gérant, Greg, c'est tout. Tu le sais. D'accord? Si l'équipe administrative était pas là pour rattraper ton cul à chaque fois que tu fais des conneries, tu serais encore plus dans la merde que là où on l'est maintenant. Moi, ce qui m'a convaincu de venir taffer avec toi, c'est que t'avais un vrai projet. Je sentais que t'étais à fond, tu voulais tenir un établissement de qualité, avec presque du luxe, des bons produits, de la bonne bouffe, des bons alcools. Mais là, ce que t'es en train de faire, c'est que tu nous enlèves tout ce qui nous distingue des autres bars. Tu vas mettre en avant des mojitos et du spritz avec de l'apéritivo bon marché? Et à côté, tu vas nous supprimer les liqueurs, les digestifs, les vermouths? Tu veux quoi pour ton bar au final? Oh, Inès, déjà, je te parle pas comme ça, d'accord? Mais tu vas faire quoi? Tu vas me virer? Mais vas-y, je t'en prie, moi j'ai un CV long comme ma vie et une expérience que tu pourras jamais te faire toi en tant que patron. Donc vas-y, vire-moi, je t'en prie. Mais moi après, je te regarderai gérer une équipe de 10 personnes, ça va être super fun avec ta patience. Ok, ok, d'accord, d'accord, ça va. On en reparlera pour le Jack et puis. Et puis je demanderai à Tim s'il a un conseil à me donner pour la carte. Ça te va ?